making simple ingredients at home? Fancy or not. I really enjoyed cooking this with my friends. It works. Calotons. And I think they enjoyed it too. Comment plier une brique? Powder and some mustard makes those smooth. Bonjour. Aujourd'hui, ma recette d'oseille. Dans une casserole, j'ai mis un peu d'huile à chauffer et je viens mettre mon oseille que j'ai nettoyée. J'ai laissé mes feuilles entières, je les ai pas découpées. Et voilà, je les ai mises dans ma casserole, je viens les faire revenir dans l'huile. J'ai mis un feu très doux, un feu bas, parce que je ne veux pas que mon oseille brûle. Voilà, je vais vraiment faire cuire tout doucement, tout doucement. Je tapote un peu avec ma spatule en bois, hein, comme j'ai laissé les feuilles entières, voilà. Alors bon, vous avez sûrement votre autre façon de préparer. Je veux bien apprendre aussi. Vous pouvez me laisser ça en commentaire ou me taguer sur des vidéos. Mais venez pas me dire naïbité. Bref. Donc voilà, je fais bien revenir mon oseille dans l'huile et j'insiste à feu doux. Alors, je viens rajouter mes oignons et ndembi, ma tomate fraîche que j'ai coupée grossièrement, un cube. Oui, je sais, toujours des cubes dans sa nourriture. Bref, je mélange le tout. On est toujours à feu doux, hein, j'insiste. Je viens mettre mon poisson. Je mets un tout petit peu d'eau. Voilà. Alors je vais juste mélanger avec ma spatule pour que le poisson se disperse bien partout. Miam. Solola TV. Je rajoute 2 petits piments et je vais laisser cuire tout ça 10 minutes à feu doux. J'insiste, à feu doux. Voilà, une fois que c'est prêt, on sert. On a mangé ça avec du foufou et ou yagokalinga, la recette que je vous ai mise hier. Donc voilà, bisous et bon appétit. Salut, j'espère que vous allez vraiment bien. Aujourd'hui c'est l'oseille à l'aubergine, le ngaï ngaï bâti à aubergine. Pour ça, je commence d'abord par faire chauffer mon huile. Une fois que ça a bien chauffé, je mets l'ail et l'oignon. Je mélange, je viens ajouter le poivron vert. Je mélange à nouveau. Ensuite, j'ajoute de l'aubergine. Et là, je vais laisser mijoter 2-3 petites minutes, le temps que les aubergines se ramollissent un tout petit peu seulement. Après, je viens ajouter. Abonne-toi, like, commente et partage. Je mélange bien. Bon appétit. Bien. Après, je passe à l'assaisonnement au sel et à la noix de muscade. Et oui, moi je mets de la muscade dans mes légumes. Si vous n'en mettez pas, c'est pas grave, c'est votre choix. Après, j'ajoute la ciboulette et le piment. Et donc, je reste très classique dans cette préparation, pas beaucoup d'épices. Après, je viens ajouter un peu d'eau juste pour faciliter la cuisson de mon oseille, tout simplement. Et après, je coupe dans ma casserole et je vais laisser mijoter jusqu'à ce que ça soit bien cuit, jusqu'à ce que l'eau baisse considérablement. Je n'avais pas besoin que mon oseille aille. Solola TV. Comme vous pouvez le voir, et dans ses prêts, on peut maintenant servir. Abonne-toi, like, commente et partage. J'espère que ça vous aura plu. Bon appétit. Solola TV. Solola. Solola TV. Solola. Solola TV. Solola TV. Solola. Enjoy your meal. Solola TV. Solola. Solola TV. Solola. Solola TV. Ça, c'est pour toi. Abonne-toi, like, commente et partage. Merci. Préparez-vous pour cette tuerie incroyable. Solola TV. Solola TV. Abonne-toi, like, commente et partage. Merci. Solola TV. Solola. Ça, c'est pour toi. Bon appétit. Solola TV. Abonne-toi, like, commente et partage. Je crois que je t'évite alors que je m'en ai. Salut, salut, lelo tokolamba et lungo ngaï ngaï na biso. Je le préparais très simple, mais il était waouh, c'est à essayer. Qui connaît cette chanson? Ngaï ngaï na la mer et les sakamakwiti du. Bon, on va commencer. Dans une casserole, je laisse réchauffer 90 g d'huile. Je fais revenir 70 g d'oignons ainsi que 30 g de poireaux. Je mélange le tout et laisse dorer pendant 3 minutes. 3 minutes après, j'ajoute ma tomate, environ 150 g, une cuillère à café de jumbo. Je tapote pour écraser mes tomates. Je mets comme d'habitude ma pincée de muscade. Je mélange le tout et laisse cuire pendant 5 minutes. 5 minutes après, je mets mes ngaï ngaï. Là, moi, je fais environ 375 g de ngaï ngaï et mélange le tout pendant 3 minutes. 3 minutes après, j'ajoute mon piment, 250 ml d'eau. Je ferme. Je laisse cuire, je diminue mon feu et laisse cuire pendant 30 minutes. 30 minutes après, vous pouvez déguster votre ngaï ngaï. Bon appétit. Ça, c'est pour toi, Solola TV. Solola TV. Solola TV. Solola, ça, c'est pour toi. Bon appétit. Abonne-toi, like, commente et partage. Really enjoyed cooking this with my friends. Enjoy your meal. Enjoy. Enjoy. Solola TV.